Yo! Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve donc pour un haul Primark. C'est à chaud parce qu'on vient de rentrer. Donc, Pépita d'or, je profite. J'en ai eu pour un total de 150 euros. Voilà, je pouvais pas faire mieux, donc 150 et 80 centimes. J'ai eu quelques petites réductions par-ci par-là, notamment sur un pantalon et je ne sais plus sur quoi. Il y a autre chose, mais je ne sais plus. Enfin bref, j'ai pris un peu pour tout le monde en soi. Sauf que cette fois-ci, je me suis fait un peu plus plaisir pour moi, je l'avoue, voilà. parce que la dernière fois, pour ceux qui ont vu mon haul, j'avais quasi rien pris pour moi. J'avais vraiment pris tout pour les filles et monsieur. Et cette fois-ci, je me suis fait plaisir, oui, voilà. Donc on va commencer tout de suite. Donc, pantalon pour Zouzou, jeans. Noir, basique, 9-10, donc skinny, au prix de 9 euros, donc plutôt cool. Donc si elle aime bien et que ça lui va bien, prochaine fois on prendra, mais en couleur jeans normal, tout simplement. Donc ça, c'est pour Zouzou. Pour Zoé, je crois qu'on a pris que ça, si je ne dis pas de bêtises, parce qu'il faut qu'on fasse un tri, je pense, avant de éventuellement racheter des trucs. Et puis vu qu'ici, on est entre les deux saisons, il n'y a pas vraiment d'été encore, il n'y a pas vraiment de printemps, on ne sait plus trop quoi. Donc c'est vrai que c'est un peu compliqué d'acheter des vêtements tant que les saisons ne se stabilisent pas un petit peu quand même. Donc ça ne sert à rien d'acheter des pulls et tout ça pour le moment, c'est complètement stupide. Donc voilà, on a opté que pour ça. Ensuite, je me suis pris un ensemble de suite dans le rayon homme, comme ça monsieur pourra mettre aussi. Donc on est sur un beige... Bon, assez clair quand même, mais il ressemble fort à la caméra, très blanc, mais pas du tout, hein, il est beige. Donc en bas, on a pris la taille M, qui équivaut... ah oui, non, il n'y a pas les tailles comme chez les femmes. Donc M, ça équivaut à 38-40, si je ne dis pas de bêtises, chez les femmes, ou 40-42, je ne sais plus. C'est un des deux. Mais alors du coup, c'est il n'est pas moumouté, hein, c'est vraiment pour l'été, donc... Ça, alors il y a une poche, hein, pour ceux qui veulent savoir, derrière et sur les côtés. Donc ça, c'est le bas. Et alors le haut, bah, ensuite, hein, voilà, capuche avec les poches ici. Et par contre, là, on a pris en taille S. Voilà, beaucoup plus pratique. Ah oui, je ne vous ai pas dit le prix. Donc le haut, c'est 11 euros et le bas, il est à 8 euros. Voilà, vous n'êtes pas obligé, hein, de prendre le... Comment l'ensemble, vous pouvez prendre des pareillés. Alors il y avait plusieurs coloris, hein, il y avait vraiment de tout. Et alors vous avez le même genre dans le rayon femme du coup, qui est mieux taillé pour les femmes du coup. Ensuite, monsieur a pris un t-shirt One Piece avec tout le monde dessus, je crois, si je dis pas de bêtises. Ouais, il y a tout le monde. De toute façon, il y a les prénoms. Hop, juste là. Comme ça, vous pouvez voir, voilà. Et alors, c'est un noir gris délavé. Moi, j'adore. J'adore ça. En été, franchement, c'est top. Alors, je vais certainement lui chourer, hein. Voilà. il était au prix de 12 euros et on a pris taille S. Donc, plutôt pas mal. Par contre, les t-shirts chez les hommes, je vous envie, clairement. Maintenant, j'achète, hein, chez vous, hein, chez les hommes. Hein, je me gêne absolument pas. Hein. donc, voilà. On a pris ceci pour monsieur. Alors, petit jean style slim pour Pépita, voilà, trop mignon, franchement, elle n'a pas de pantalon comme ça, style slim jeans, on va dire, donc il était au prix de 4,80€, donc nous on a pris la taille 9-12 et équivaut jusqu'à 80 cm, donc voilà. Assez basique et franchement j'aimais bien, et il y avait en couleur claire aussi, donc à voir comment ça tient. Ensuite, on a pris un lot de deux pyjamas. Mais alors, les pyjamas zipettes sur le devant. Je sais pas si vous allez voir. Hop, comme ça. Donc, il n'y a pas les pieds, hein, qui sont dedans. Donc là, on est sur Disney, hein, Mickey. Donc, c'était un lot. Et le lot, je ne sais plus à combien il était, par contre, parce que je n'ai plus le... Comment ? L'étiquette. Je vais essayer de retrouver ici. Pyjama suspendu, 12 euros. Voilà, ok. Bah, il me semble que c'est bien ça, je regarde pour être sûre, mais... Ouais, c'est ça, oui. Donc,
12 euros pour les deux. Donc, et puis on a celui-ci avec Mickey juste là, plutôt basique. Et vous avez Mini juste là en dessous et celui-ci bah, avec toutes les petites têtes. Donc plutôt pratique. Ensuite, sa première veste en jeans. Alors, apparemment c'est pour les garçons parce qu'il est marqué garçon. Mais bon, en soi, où on voit que c'est pour petits garçons quoi. Enfin, franchement, je vois pas... donc moi j'ai pris la taille 12-18 qui va jusqu'à 86 cm, à savoir que la petite fait 72 pour le moment en tout cas. Mais je me dis que je préfère prendre un peu plus grand parce que jean ça a tendance toujours un peu à étriquer et comme ça moi elle l'a pour plus longtemps. Donc elle a été au prix de 8 euros et franchement je la trouve très jolie, très belle. J'adore, franchement j'adore. Ensuite on lui a pris un petit lot de petits shorts pour cet été. Alors on a pris basique, il y a des couleurs foncées, donc vous avez un bleu marine et un blanc avec des dessins. Il était au prix de 10 euros, taille 9 et 12 moins 80 du coup centimètres. Et franchement c'est assez élastique, hein, donc je vais dire que on est bien paré. Alors vous aviez donc ce lot là et vous aviez un autre lot qui était plus sur le ton rosé. J'ai pas pris, voilà, j'ai préféré rester sur quelque chose d'assez simple en fait. Donc on a pris ça. Ensuite moi je me suis pris un legging bleu marine. C'est la première fois que je prends un bleu marine pour la simple et bonne raison que j'ai pris un pull. Je vous montrerai ça un peu plus tard. Donc il est legging quoi, voilà, hein, assez basique et moi j'adore ça porter. Donc j'ai pris en taille S qui équivaut à 38-40, voilà, donc il était au prix de 6 euros. Donc toujours bien faire attention aux étiquettes à l'intérieur. Ne vous fiez pas à ce qui est mis au niveau des jambes ou sur le cintre parce que souvent, très souvent, ça ne correspond pas. Et je parle par connaissance de cause. Des fois, vous avez des sales surprises et c'est vraiment chiant. Clairement, c'est chiant. Donc voilà, j'ai pris un bleu marine. C'est la première fois que je prends cette couleur. Et j'ai pris un noir, mais alors c'est pas du tout la même texture et la même gamme. Ici on est sur quelque chose de beaucoup plus doudou, donc plus vers l'hiver on va dire. Mais ça me dérange pas en fait de porter ça pour le moment. Donc pareil, taille S, 38-40 et il était au prix de 8 euros. Par contre lui, au niveau de la taille, le dessus est plus étroit que l'autre. Donc on verra bien, mais de toute façon moi les leggings, j'adore ça moi, porter ça avec un gros pull par dessus, c'est nickel. Ensuite je me suis pris un pantalon comme ceci, donc c'est la gamme Casula Chino, ok, donc taille 40. Il était au prix de 17 euros et je l'ai eu donc à 12 euros. C'est ça qui est passé en promo si je dis pas de bêtises, hein, je regarde, oui c'est ça. Donc franchement top. Donc moi je l'ai pris en noir, à savoir qu'il y avait d'autres coloris, il y avait kaki, il y avait beige. Alors je l'ai testé en, enfin c'était pas vraiment, si c'était un beige mais très foncé, je l'ai testé en beige, j'aimais bien mais j'avais besoin de l'avis de monsieur. Et c'est vrai que bah, vu qu'on était avec la petite là, voilà, il n'est pas rentré avec moi dans les cabines. Il y a trop de monde en plus chez Primark, donc c'est vrai que j'avais besoin de son avis et là ne pas avoir son avis c'était un peu pari risqué, donc j'ai préféré ne pas prendre. Donc j'ai pris le noir, valeur sûre. Donc vous avez, en fait il fait vraiment un effet môme je vais dire un peu au niveau des hanches, mais moi c'est ce qu'il me faut parce que en gros j'ai la taille qui est fine, je vais dire entre guillemets, hein, mais beaucoup plus fine que mes hanches. Et c'est toujours une pénitence pour trouver des pantalons. Parce que je suis entre le 40, 42, tout dépend de la taille, tout dépend de la matière, enfin, c'est un peu pénible. Donc voilà, là j'ai pris 40 et c'est nickel. Alors la coupe en dessous, c'est comme ceci, basique. Voilà, donc franchement je suis contente d'avoir pris un pantalon comme ça. Alors je vais pas dire qu'il est jeans, mais c'en est pas loin en tout cas. Ensuite, je me suis pris une chemise noire. Enfin, j'ai trouvé une chemise mais simple, sans dessin, sans rien du tout, basique. Je me dis, enfin, j'en ai trouvé une. Donc, voilà, une très belle matière en plus. Donc, je l'ai essayé, j'ai pris en taille S parce que M, j'étais pas très à l'aise. Donc, 38-40 et elle était au prix de 14 euros. Franchement, nickel. Alors, vous pouvez resserrer les manches ou complètement les détacher. Franchement, elle est top. Je l'ai essayé, elle est très agréable, la matière, nickel. Ensuite, le fameux pull
J'ai hésité entre deux, mais c'est vrai que celui-là était quand même assez cool. Donc on est sur du blanc et du bleu marine au niveau des lignes, donc un peu un effet marin. Mais alors on a Monsieur Stitch. Voilà, donc petit détail vraiment sympathique dans le coin là comme ça, franchement nickel. Alors c'est vrai qu'on est sur un pull qui est quand même un peu épais, alors c'est pas la grosse moumoute, mais ma foi quand il fait froid, ça peut être pas mal. Donc taille S38-40, il était au prix de 18 €. Par contre dites-moi un peu, je trouve que tout ce qui est estampillé Disney ou tout autre, hein, Marvel, etc. C'est vrai que les prix ont quand même augmenté, je trouve. Enfin, moi qui ai connu Primark il y a des années, je vois la différence. Mais voilà, donc pull assez loose, hein, comme vous pouvez voir, pardon. Et donc, c'est pour ça que j'ai pris un legging bleu marine. Je me dis que ça pourra aller mieux que du noir en soi. Donc voilà, j'ai pris ça. Ensuite, forcément, un pyjama. Que serait au Primark sans un pyjama, c'est la base. Donc j'ai pris un pyjama entre deux, je vais dire, donc printanier on va dire, hein, donc toujours Disney, moi j'adore, hein. Donc on est sur Pourcinet et Winnie l'ourson. Donc il était au prix de 12 € l'ensemble. J'ai pris en taille S, donc pareil, 38-40. Donc là on est sur des courtes manches. Bon, il est assez fin, je vous l'accorde. Il suffit de mettre un petit gilet ou quoi si jamais vous avez froid. Et le bas, il se présente comme ceci. Voilà, toutes des petites têtes de Pourcinet et de Winnie. Franchement nickel. Alors j'ai pas pris beaucoup le temps de regarder tous les pyjamas parce que c'est vrai que c'est la dernière chose vraiment qu'on a faite. Dans le magasin et le magasin commençait à vraiment avoir du monde, donc on s'est un peu précipité, mais voilà, j'ai mon pyjama, je suis contente. En plus c'est resserré un peu au niveau des chevilles, donc ça c'est cool. Donc voilà, quelque chose d'assez basique. D'ailleurs il faudra que je fasse un tri dans mes pyjamas, voilà. Et alors j'ai pris aussi en dernier un lot de soutien-gorge parce qu'il était temps en fait. De base je voulais que prendre un blanc ou couleur un peu beige, mais il n'y avait rien en fait qui me tapait dans l'œil, à savoir que j'ai mes critères bien spécifiques, hein. Donc voilà, c'était un lot. Donc on avait un bleu clair, pourquoi pas, parce que je n'ai pas de bleu, le fameux blanc beige qui me va très bien, et alors on a un vieux rose comme ceci, donc ça très joli. Bon, soutien-gorge assez basique, hein, on va dire, hein, rien de bien ouf. Donc voilà, le haul est terminé. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me le faire savoir en mettant le petit pouce bleu. Vous savez que c'est la récompense. Et puis nous, on se retrouve sur les réseaux sociaux. Ciao!